Ici le lieutenant Bourguignon de la Ferté, vous m'entendez? Affirmatif, lieutenant. Quel est votre message? Besoin de renfort par tir dépouillage sur nos dessus. Je répète, renfort par tir dépouillage sur nos dessus. Je vais le faire un peu plus grave. Ici le lieutenant Bourguignon de la Ferté, vous m'entendez? Nous sommes dans les coulisses de la préparation du spectacle Son et Lumière, l'équipage sacrifié. En studio, les comédiens enregistrent voix et scènes sur fond vert qui seront intégrés à la scénographie visuelle de la projection. Ici, on tourne avec le comédien qui incarne le lieutenant Bourguignon. Et sur le site de projection, avec l'acteur qui sera sur la scène devant l'ouvrage de La Ferté, en pleine répétition avec les images témoins de l'ordinateur. C'est un des éléments les plus de la l'imaginaire les plus éminents et aussi le dernier maillon de son extrémité nord. Seuls les sapeurs restent dans l'usine, d'accord. L'assaut doit être imminent. Donc moi je suis comme ça là. L'assaut doit être imminent. C'est notre tour. Voilà 30 minutes, au moins 30 minutes, que nous essuyons, nous encaissons les tirs allemands. Côté technique, installation du vidéoprojecteur, du matériel de diffusion, la sonorisation et de l'éclairage. Tout est prêt. Ajustage du costume fourni par l'ouvrage de La Ferté. Et c'est parti pour les répétitions en live du spectacle. Pour rejoindre les deux blocs, il faut parcourir près de 300 mètres dans une galerie souterraine. Le tout à une profondeur de 35 mètres.